Bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Kieffer. Je vous invite à découvrir mon département, mon village, ma passion. Donc j'habite à La Bresse dans les Vosges. Ça fait 58 ans que je suis ici. Je suis né en 1964. Depuis tout petit, je suis intéressé par ce qu'est un moteur, ce qui fait un peu de bruit, ce qui roule. Donc c'est pour ça que ma passion, ça a commencé, parce qu'au début c'était pour les mobilettes, un peu comme tout le monde, après pour les motos, et après la suite logique c'était les voitures. Bon Laurent, tu exerces quelle activité? Mon métier, moi, c'est faire des bourbons, c'est confiseur. Donc au départ, je suis. Parce qu'un touche à tout un peu, je sais souder, je sais fraiser, je sais faire de la mécanique. Mais j'ai un CAP de pâtissier, j'ai fait cette activité pendant 27 ans. On avait une boulangerie-pâtisserie sur la Bresse avec mon papa. Et au fil de temps, on a commencé à faire les bonbons. Et donc en 1995, on a donc créé la confiserie Bresseau, donc avec mon papa et mon frère. Et donc ça a duré jusqu'à fin 2021. Et donc, fin 2021, on a donc cessé l'activité. Et depuis, je suis toujours confiseur, mais maintenant c'est pour faire apprendre mon savoir à nos successeurs. On va peut-être découvrir ton activité en image. Ouais, pas de problème. Alors, vous voyez, le petit morceau que j'ai fait, c'est le petit morceau. Voilà, on va voir les gens.
nom, Laurent, tu as débuté le rallye en quelle année? Alors j'ai débuté le rallye en 1988, donc c'était avec une Ford Escort. Donc c'est une Ford Escort justement qui dans le coin était connue, parce qu'elle avait appartenu au regretté Stéphane Mougel et après Gérard Sarrazin qui a roulé aussi lui beaucoup en Ford Escort. Donc j'ai commencé avec un ami qui s'appelle Pascal Gulli. Donc notre premier rallye c'était le rallye de la Plaine, c'était en avril 88. Donc on n'avait jamais couru ni l'un ni l'autre, donc au début bon... Ça a été un petit peu laborieux, mais bon, voilà. Mais c'est là qu'on a chopé le virus mais du rallye. Donc, quelles autos tu as eu alors? Alors donc, celle qui est là, la Ford Escort. Hein. Ford Escort, donc ça, c'est la MK2, ça. Donc, la MK1, pour les connaisseurs, c'est celle qui est plus ronde. Bon, après, c'est pareil, c'était une auto, c'était la Ford Sierra. Ford Sierra, alors celle-là, c'est pas une Cosworth, c'est une XR-Cati. Elle est équipée d'un moteur V6 et parce qu'on le voit sur les petites fenêtres derrière là, les petites fenêtres derrière là elles sont coupées en deux et sur les consortes on n'a qu'une grande fenêtre. Donc avec cette voiture j'ai roulé de 1996 à 2004 à peu près, et quand le groupe F a été, quand il était la fin du groupe F, donc après on est passé à la BM, donc BMW. Donc au départ j'ai eu une BMW comme les M3, une E3, et à partir de 2007 on a roulé avec cette voiture, ce qui est donc une BMW compacte. Et après en 2008 j'ai donc eu la Porsche qui est là. Donc ça c'est l'ancienne Porsche de François Delcourt, celle qui avait fait le championnat de France en 2007. Donc depuis 2008, soit je roule avec la BM Compact qui est là, ou soit avec la Porsche, voilà, j'ai le choix. Et j'ai commencé sur une voiture, sur une Ford Escort comme celle qui est ici. Bon, celle-là, c'est pas celle de mes débuts. J'ai roulé sur une Ford Escort de 1988 à 1996, donc c'est des voitures que j'ai toujours adorées, du fait que c'est des propulsions. C'est des voitures qui sont faciles à entretenir, faciles à bricoler, et c'est des voitures qui sont très très plaisantes à conduire. Donc la Ford Escort, moi j'ai commencé sur une MK2, c'est des formes qui sont un petit peu carrées, et à partir de 1993 on est passé sur une MK1. Donc la Ford MK1, c'était donc une auto qu'on a rachetée, c'était donc une groupe F. C'est une voiture qui était déjà plus évoluée que celle-là, parce qu'elle avait été faite avec des trains de Sierra. Donc c'était plus les suspensions sur lames, c'était donc des suspensions mais sur amortisseurs. Donc on a roulé avec cette voiture jusqu'en 1996. Et 1996, malheureusement je l'ai cassée sur un rallye, Scorallet du Suran, et après on est passé à la Ford Sierra. Parle-nous de ta Sierra et du groupe F. C'était une voiture du groupe F. Donc le groupe F à la base, ça, c'est une Sierra XR-Cati, donc c'est un moteur V6 comme il y avait dans les fours de Capri. Et le règlement du groupe F était qu'il fallait qu'on garde le bloc moteur d'origine. Donc sur cette voiture, c'est le bloc moteur de la Ford Sierra XR-Cati. Donc après, au niveau moteur, on a fait évoluer. Donc on a mis donc des culasses 24 soupapes Cosworth qui proviennent de Ford Scorpio. Donc sur ce moteur, on avait mis pour monter en cylindrée, elle fait une cylindrée de 3600 cm3. On a mis un vivre-quin Ford Explorer. L'admission, c'est une admission à papillon. L'échappement, ce qu'on l'a fabriqué. Et tous mes moteurs, les moteurs Ford et les moteurs BM, j'avais quelqu'un qui faisait les pistons, qui s'appelait Marcel Nunes-Baumer, qui est malheureusement décédé cette année. Il nous a fait les arbres à cames,
et des pistons sur cette voiture. Donc la particularité de cette voiture, c'est que donc le moteur est à l'avant et la boîte de vitesse est à l'arrière. Donc la boîte de vitesse est provenance de, c'est une boîte Renault, une boîte UN, c'est une boîte qui montait dans les 5 turbos. Et donc on a un grand arbre de transmission donc entre le moteur et la boîte de vitesse. Bon Laurent, combien d'heures pour mettre au point cette voiture? Ben, à vrai dire, on n'a jamais calculé. Quand on est passionné, de toute façon, les heures, on ne compte pas. Par contre, cette voiture, eh ben, j'ai des amis qui m'ont aidé. Il y a donc Eric qui a fait la carrosserie. Gilou et Bernard qui sont plus occupés du fraisage, des pièces, tout ça. Il y a Etienne aussi de la société Arnold d'Épinal. Lui, il nous faisait tous les usinages moteurs, donc ils avaient tout pour rectifier des vilebrequins, usiner des blocs. Et il y a aussi une personne qui est connue maintenant dans le monde du rallye qui s'appelle David Floury. Donc David Floury, il nous a fait le plan du train avant et le plan de l'aileron. Ben, l'aileron, parce qu'on ira voir tout à l'heure là, comment il est fait. Et donc David Floury, ben, c'est quand il était, mais parce qu'apprenti ingénieur. Donc c'est lui qui nous a fait le plan du train avant, et David Floury, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était directeur technique chez Oreca et maintenant il est passé chez Toyota pour le rallye. Ah, c'est pas un aileron qu'on a fait comme ça, voilà, sur un coup de tête. Donc c'est un aileron biplan, c'est-à-dire qu'on a deux plans. Au-dessus on a une réglette qui est dessus et ça nous fait un appui aérodynamique, et quand on roule, quand il pleut, sur la lunette arrière, ça nous fait un gros rond, c'est qu'on n'a pas une goutte d'eau, qu'on n'a rien du tout. Et aussi, c'est un aileron qui a été fait en bois par un ébéniste, mais par un ami qui s'appelait Franck Morel. Malheureusement, il est décédé, mais on pense toujours que c'est fait dans du carbone, de la fibre ou des choses comme ça. Mais ça, c'est un aileron qui est fait en bois et qui a plus d'une vingtaine d'années. Et donc, comme quoi le bois, ça se conserve bien. Ben, la Sierra développe 340 chevaux à 6500 tours. Et on a un couple moteur de 40 mètres kg. Donc c'est une voiture qui peut prendre 7000 tours maximum, mais on a privilégié le couple sur le moteur pour une raison de fiabilité. C'est un moteur qui ne peut pas prendre beaucoup de tours. Ford, c'est des voitures qui vont toujours plus, c'est des moteurs mythiques. Hein, c'est des voitures qui ont été champions du monde des rallyes. Donc, et la Ford, ben déjà, comme je l'ai dit, c'est une propulsion. Donc, c'est des autos que j'ai toujours aimées. Donc, ça a été les Ford Escort MK2, MK1 et après la Ford Sierra. Malheureusement, après la Ford Sierra, ben Ford, ils ont passé à la traction. Donc, la traction avant, comme c'était pas mon truc. Donc, après, ben, malheureusement, ben, pour Ford, ben, je suis passé sur. Parce qu'à la concurrence, donc je suis passé à BMW. La compacte par rapport à la Sierra, c'est déjà une F2000, c'est la réglementation d'après. Donc le groupe F2000, ben, c'était déjà plus limité que le groupe F. Donc le groupe F2000, ben, c'est donc un moteur d'origine. Alors, on ne peut pas panacher un bloc avec une culasse, ça, parce qu'en F2000 c'est interdit. Donc sur cette compacte, ben, c'est le moteur d'origine de la voiture. Celle-là, c'est un 318i. Qui a été réalisé à 2000 cm3, et ce moteur il développe à peu près 240 chevaux à 7800 tours. La différence aussi de la compacte par rapport à la Sierra, c'est que la boîte de vitesse elle est à sa place d'origine. Donc elle est comme on a changé la boîte, on a mis une boîte séquentielle. Les trains c'est des trains d'origine qui sont modifiés, mais on ne peut pas ni changer les poids d'ancrage des suspensions ni des choses comme ça. Donc là, ça c'est le règlement F2000.
Et la particularité du FD8, c'est qu'il est limité, à 2000 cm3. On ne peut pas aller plus haut. Bon, Laurent, maintenant parle-nous un peu de la Porsche. Eh bien, de la Porsche, c'est une Porsche GT3 qui date de 2004. Donc, cette voiture, ben, c'est un 3,6 litres qui développe 414 chevaux. Donc, le groupe GT, ben, on a juste droit à la boîte de vitesse qui est un peu plus courte. La boîte de vitesse reste en roche, une grille classique. On a droit à changer les suspensions, mais ça s'arrête là. Donc c'est des voitures du groupe GT, donc voilà, c'est une Porsche, ça a beaucoup de chevaux, mais c'est des voitures qui sont très très dures à conduire. Laurent, quels sont tes rallyes préférés? Ben, mes rallyes préférés, j'en ai fait tellement que ce soit du régional, du national, du championnat de France, chaque rallye est beau, chaque rallye a sa particularité. Il y en a quand même deux vraiment que des rallyes que j'apprécie, c'est le rallye du Mont Blanc déjà pour. Ben, c'est des spéciales qui sont belles, qui sont roulantes. Le rallye Lyon-Charbonnière aussi qui se déroule dans une très belle région. Il y a un rallye que j'aime bien aussi, c'est le rallye, c'est le Touquet, parce que le Touquet c'est vraiment un rallye avec des conditions, quand il pleut c'est pas évident, mais tous les ans on a envie d'y retourner. Autrement, ben, les rallyes que j'aime bien du coin, le rallye Vosgien, la Ronde du Rhône, enfin un rallye qui se passait ici à la Bresse, qui était une ronde, qui s'appelle le Sprint de la Bresse, c'est quelque chose qu'on aimait bien. Alors, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, ben, je crois que c'est. Bon, on a quelques victoires regroupées en France, championnat de France, là, mais le meilleur souvenir, c'est au rallye du Touquet. Au rallye du Touquet, on s'est bagarré ben, toute la journée avec un pilote qui a une Manta, Henri Bève, donc c'était un coup à toi, un coup à moi. Donc, on s'est battu jusqu'au bout, et là, je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs de rallye. Et le moins bon? Ben, le moins bon, c'est des abandons mécaniques. Alors ce qui se passe, c'est comme nous, bah, c'est des autos qu'on avait toujours avec la groupe F. C'était un peu des protos, donc la mise au point. On n'avait pas de séance d'essai comme les usines. Donc la mise au point, c'était pas dans le rallye. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'abandons pour des pièces qui cassaient, des choses comme ça. Donc des fois, on était bien classés, puis ma foi, bah, on avait une panne mécanique. Donc voilà. Après, bah, des mauvais souvenirs. Bon, j'ai eu deux sorties de route. La première Ford Escort, c'était Escorallée du Suran.
Donc là, elle a été détruite. Et après, ma BMW F, la E30, ben, c'est pareil, c'était au rallye du Touquet, où on est sorti à l'arrivée de la première spéciale à haute vitesse. Enfin, bon, nous, on n'a rien eu, mais l'auto était détruite. Mais sinon, il y a des rallyes que tu regrettes de ne pas avoir fait? Il y en a un que je regrette de ne pas avoir fait, c'est le rallye de Monte Carlo, mais pas en version actuelle. Version quand il y avait 300 partants. C'est-à-dire que les spéciales, on les faisait qu'une fois, elles étaient faites qu'une fois. Et pour participer à la dernière nuit, ce qu'on appelait la nuit du Turini, il fallait être dans les 100 premiers. Et dans tout ça, tu n'as jamais été attiré par une formule de promotion? Le principe des formules de promotion, c'est quelque chose qui est tentant, qui est intéressant. Bon, il fallait déjà qu'ils fassent une formule de promotion pour l'effort d'escorte terrestre 2000. Bon, ça c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Mais dans les voitures à laquelle je roulais et que j'aimais rouler, je ne pouvais pas faire de formule de promotion. Bon, je pense que les formules de promotion, c'est bien pour quelqu'un qui veut débuter dans le rallye, qui veut se faire remarquer. Bon, ben, moi j'ai toujours couru pour me faire plaisir. Après, on a toujours fait les rallyes qu'on a aimés. Donc, peut-être que ça m'aura plu, mais bon... aucun regret de ne pas avoir fait une formule de promotion. Concernant les véhicules électriques en rallye, tu en penses quoi? Bah, tout le monde dit que c'est l'avenir du rallye. Bon, moi, c'est franchement pas mon truc. Bon, après, il y a peut-être un jour où c'est qu'il y aura des véhicules électriques en rallye. Bon, c'est sûr qu'une auto électrique, quand on ouvre le capot, il n'y a pas de carburateur, il n'y a pas un bel échappement, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, ce sera déjà différent. Et nous, qu'on a toujours roulé avec des voitures thermiques, je pense que ça va être très très dur. Bon, puis c'est pareil, quand tu auras des autos électriques en rallye, est-ce qu'il y aura toujours des rallyes? Est-ce qu'il y aura toujours des spectateurs? Ben ça reste un gros point d'interrogation. Bon Laurent, est-ce que tu as des regrets? Ben, par un moment, j'avais un regret, c'est d'être toujours resté au niveau régional, de ne pas être monté plus haut. Mais bon, avec le recul, je me dis, ben, de toute façon, tout ce qu'on a fait, on s'est toujours fait plaisir, on s'est toujours bien amusé, on a fait des bonnes performances, des performances moyennes. Mais bon, maintenant, pas de regret. Voilà, on a pris du plaisir, on a fait du sport auto. Enfin, bon, maintenant, j'arrive sur la fin de ma carrière. Hein, bon, j'espère rouler encore quelques années. Mais j'espère, l'important c'est de se faire plaisir. Ben, conclusion, ce que je veux dire, c'est qu'après 34 années de sport automobile, ce que je veux, c'est déjà remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Donc bon, il y en a une liste assez longue. Donc ben, il y a déjà tous mes copilotes. Hein, parce que des copilotes en 34 ans, c'est sûr que j'en ai beaucoup. Toutes les personnes qui m'ont aidé à faire de la mécanique, toutes les personnes qui m'ont aidé à faire de l'assistance. Toutes les personnes qui m'ont soutenu, des spectateurs, toutes les personnes qui m'ont aidé. Et la conclusion, ben, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une chose qu'on oublie maintenant, je trouve, dans le sport automobile et dans le rallye, c'est que le sport auto, au départ, c'est un loisir. Et l'important, c'est de se faire plaisir. Et ce n'est pas la grosseur de la voiture qui fait le plaisir. Donc, quand on roule dans une petite ou une grosse voiture, l'important, c'est de faire une course, de se faire plaisir. Et c'est le but du sport auto, c'est le plaisir.